Questo è il primo lancio per riposizionare il marchio Ferrari nel brand del lusso. Infatti il posizionamento cavallino è un posizionamento premium, il pacco esprime dei valori, dei drivers di ricchezza, di lusso, anche lusso estremo, ma anche di sfida. Si rivolge a quel target di giovani più o meno dai 25 ai 45 anni, con un'attenzione al bello, al lusso, alla sfida, alla bellezza per il sé. L'inspiration pour ce produit vient de l'homme Ferrari. Nous avons travaillé sur l'homme Ferrari, qui est un homme de passion, qui aime les belles choses, les beaux produits, les belles matières, et qui est un homme qui est toujours à la recherche de la perfection. Donc nous avons travaillé sur le flacon pour avoir un flacon très masculin. Donc une forme très masculine mais très élégante. L'homme Ferrari est un homme élégant. La technologie est importante pour lui. Le capot avec cet aluminium brossé reflète l'esprit de technicité de la marque Ferrari. Sur les arômes, de la même façon, nous avons voulu travailler sur la qualité, la grande qualité des ingrédients. Pour cette fragrance, des ingrédients italiens très masculins comme la bergamote de Calabre, comme l'orange sanguine qui arrive de Sicile, et puis ce côté aromatique, spicy, fresh, qui lui donne ce côté très masculin, avec du cèdre rouge pour la sophistication, des fleurs de violette, et puis l'esprit aromatique avec la cardamome et le romarin. Donc très frais, mais une fraîcheur sophistiquée. Settore merceologico, il mercato fa meno 7. Quindi cumulato. Ferrari in questo momento ci dà soddisfazioni, anche perché essendo un marchio giovane, dinamico, con un background ancora inesplorato, diciamo che va meglio del mercato. Un periodo del genere si affronta con tre pilastri, quindi lanci, pubblicità e soprattutto attività in store.